Vous avez vu les clandestins? Ouais. C'est parmi les destructeurs du lac Edo. Bon, en fait, qu'est-ce que nous faisons avec eux? C'est là qu'après appréciation, nous trouvons que, bon, ils peuvent comprendre, on sensibilise pour qu'ils fassent une pêche responsable, donc une pêche normale. Et c'est là qu'on trouve qu'ils sont déjà récidivistes, on arrête, on transfère à l'auditorat ou au parquet de Routchour particulièrement. Souvent, on transfère à Routchour. Voilà un peu ce qu'on fait avec le pêcheur clandestin qu'on arrête. Mais c'est surtout par manque de moyens de transport, parce que nous n'avons pas de charrois. Les jupes que vous voyez là, ce sont des histoires particulières. Hein? Mais il n'y a pas un charrois de dotation officielle où on peut transférer facilement de détenus et consorts. Après dire, vous n'avez pas de jupes ici. Nous n'avons pas de jupes. Nous, nos jupes, ce sont ces histoires que vous voyez là. Oui, et s'il faut parler en termes de nombre, combien de pirogues concernent l'aspect aujourd'hui et combien de du lac. Voilà. C'est bon, vous pouvez déjà le Ok, dans un premier temps, je réponds au nom du lieutenant-colonel ou capitaine de frégate John Kigamba Kialondagwa, le chargé des opérations et du renseignement de la 333e base navale. Ce que vous voyez par derrière, c'est ce qui explique votre présence ici, dit à notre invitation bien sûr, c'est nous passons à la destruction du résultat des patrouilles dans le cadre de l'assainissement et de réglementation de pêche, la protection des frayères du lac Édouard. Là, ce sont les intrants prohibés, entre autres 14 piroguettes communément appelées ici dingue. Une scène de plage, c'est le gros filet que vous voyez là-bas. 25 tas de filets Maya monofilament. Ce sont deux intrants de pêche prohibés pour l'exploitation de la pêche sur les lacs Édouard. Ceci cadre avec les opérations d'assainissement du lac Édouard. Et quel message vous donnez particulièrement aux autres qui voient ça? Ok, le message est toujours unique, sachant bien que le lac Édouard fait partie intégrante du parc national de Virunga. C'est un lac qui a plus de protection que le reste du lac national. C'est ce que nous disons toujours aux clandestins, aux destructeurs des écosystèmes, que nous avons tous intérêt à préserver et à garder mieux les ressources halieutiques de notre lac et particulièrement aussi les écosystèmes sur notre lac. Tu n'as pas dit quoi ni tout quoi. Les opérations se sont déroulées sur quelle durée? Les opérations des patrouilles. En fait, ce sont des opérations de routine de la marine. Il n'y a pas de durée déterminée, c'est continu. Hein, ce sont des opérations contenues. Il n'y a pas de durée déterminée pour ça. Et puis ça fait un peu longtemps que vous ne faites plus cette destruction. Est-ce que ça veut dire que les pêcheurs clandestins ont sensiblement diminué sur le lac Édouard? Effectivement, après l'attaque et la conquête de toutes les bastions de l'ennemi, il y a eu presque absence presque totale de clandestins sur les eaux. Mais du moins, ces derniers temps, il y a eu encore résurgence.
de mouvements de pêche illicites sur les lacs, ce qui fait que nous aussi, on se lance encore à leur poursuite, en fait, d'assainir notre espace liquide. Muna teketeza sasa mitumbwi kwa moto, kwa nini? Ni mitumbwi ambayo halali kwa kufanya uvuvi ndani ya maji yetu ya lake Edward. Ni si mitumbwi tu, lakini vile vile na mawavu ziko pale ambayo haziruhusiwe kufanya kazi ya uvuvi kwa lake Edward. Ni vifaa ambayo vinakatazwa sana kwa uvuvi kwa lake Edward. Na ujumbe gani unao kwa watu ambao wanafanya vitu? Antuka watu wanapashwa kuprendre conscience ya conservation ya nature. Wote ambao wako na haribu maji watapata tu gazabu kali. Kwanza kuwafunga na kuwapeleka kwenye koti na wengine na vifaa vyao kuharibisha. Donc watakuwa wamepoteza pesa hapo bure kwa kununua vifaa vya model kama hiyo. C'est quoi le nombre exact de pirogues et de filets? Je vous ai parlé de 14 piroguettes, appelées communément ici dingue. Et une scène de plage, c'est le gros filet que vous voyez là. Ça c'est strictement prohibé sur les lacs Édouard. Avec 25 tas de filets Maya monofilament. Combien de détenus derrière ces pirogues? Présentement, nous avons que les responsables qui sont restés, au moins 5 qu'on a arrêtés comme des responsables, mais du reste, le simple pêcheur qui ne sollicite que ces responsables-là, après sensibilisation et une punition du corps sur place, on les relâche. Et c'est quoi les sorts? Les sorts, on les transfère souvent au parquet de Routchour. Donc, et attendent aussi le départ vers Routchour. Voilà, c'était là le colonel Kigamba John, chargé des opérations à la force navale de Inago automatique. Dotation Mouño. Ils ont eu les techniques d'embarquement et de débarquement. Et ils savent comment manœuvrer aux abords du lac ou des espaces liquides. Tout à fait. Voilà. Bon, en fait, ça c'est notre patrouilleur, hein, c'est le résultat toujours de beaucoup de plaidoyers de la part de plusieurs partenaires, entre autres, la FECOPEIL a contribué vraiment à l'acquisition de ces bateaux. Il n'y en a que 4 sur toute l'étendue de la République. Le lac Édouard avait bénéficié un, qui est celui-ci. Ah, c'est un bateau de guerre. Il n'y a pas de cartouches qui peuvent vous accéder ici. Ah. PKM, SMJ, tout ça, non. Ça, c'est anti-balles. C'est dans l'état de siège ou avant? Non, c'est avant. C'est avant l'état de siège. Depuis l'arrivée du président Tshisekedi ou... Avec toujours Tshisekedi. Avec Tshisekedi. Alors, beaucoup de Edouard, explique-nous, c'est quoi la situation actuelle sur les lacs ici? Oui, les lacs Edouard actuellement se fait calme après avoir bouté dehors tous les groupes armés qui tracassaient la population sur les lacs. Présentement, c'est calme. Maintenant, ici, nous avons appris une activité qui a lié aujourd'hui la destruction des quelques pirogues. Explique-nous, il s'agit de quoi concrètement? C'est le résultat des patrouilles de routine de la marine pour la surveillance et l'assainissement du lac Édouard. Ce sont des centrales de pêche prohibées qu'on arrête chez les pêcheurs dits clandestins, donc des pêcheurs illégaux. On arrête les pêcheurs et on prend ces centrales pour la destruction afin d'assainir le lac. Comment vous pouvez évaluer la situation sécuritaire dans la zone depuis l'instauration de l'état de siège par les commandants civils?
En tout cas, nous ne pouvons que dire merci et félicitations au président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Le fait qu'il a instauré l'état spécial et là du l'état de siège qui, avec l'appui que les pouvoirs donnés aux militaires, a permis à la force navale ici à, sur le lac Édouard à mettre hors d'état de nuire tous les groupes armés, tant internes qu'externes, qui rongeaient et qui dérangeaient la population. Le message, premièrement, d'abord, c'est à notre gouvernement, particulièrement au commandant suprême, de renforcer, de nous renforcer en moyens militaires pour nous permettre de tenir fort, parce que le lac Édouard est frontalier avec l'Ouganda. Nous avons plus de 40 à 42 km de frontières liquides avec l'Ouganda. Et cela demande une permanence sur zone dans le cadre d'une surveillance côtière avec l'Ouganda. Et cela nécessite vraiment un ravitaillement en carburant, un ravitaillement suffisant en carburant. Et aux civils, à la population riveraine ici, qu'ils prennent en compte la responsabilité de protéger l'environnement du lac Édouard, particulièrement les écosystèmes et les ressources halieutiques du lac, en pratiquant la pêche normale, la pêche durable qui leur permettra la vie normale sur les lacs. Et aux pêcheurs clandestins de cesser ce genre de pratiques qui, du moins, est non profitable pour eux, et surtout ça détruit les écosystèmes et surtout la production halieutique du lac. Ils s'exposent plus à la justice parce que nous allons les traquer jusqu'à leur dernier étranger. Mais nous voyons devant vous partie congolaise ou c'est quoi? Nous sommes encore à la partie congolaise. Ici, c'est le fond sud du lac Édouard. On évolue jusqu'à la mouchure de la rivière Rutshuru. Ça, c'est sur la côte est. Et sur la côte ouest, vous avez la mouchure de la rivière Ruidi. Et ce sont les sources du Nil. C'est pourquoi par le lac Édouard, à partir de nos derrières là, nous faisons partie du bassin du Nil. À un certain moment, on disait que toutes ces parties étaient contrôlées par les groupes armés. Vous confirmez que la partie elle est sous contrôle des FARDC. Il n'y a pas que moi qui peux vous le confirmer, mais demandez aux pêcheurs, ils sont eux-mêmes témoins. Il y a plus présence de hors la loi sur les lacs, même aux alentours. Voilà, à part ça, vous avez des richesses minérales comme du pétrole et autres. Pourquoi dans la zone ici où nous sommes, c'est interdit de pêcher? C'est une frayeur. La frayeur, c'est la maternité pour les poissons. Pas seulement pour les poissons, mais pour beaucoup d'espèces aquatiques. Entre autres aussi, les hippopotames, ils se reposent là-bas, ils vivent calmement que dans les frayeurs. Mais surtout pour les poissons, ce sont des zones de reproduction des poissons. C'est pourquoi ce sont des zones à protection totale. Happé par un crocodile, juste en face de notre état-major là-bas. Et ça s'est passé comment? Il faisait quoi? Oui, il pêchait illégalement, c'est un pêcheur clandestin. Il pêchait dans la frayère. Il pêchait dans la frayère. Et c'est comme ça que les crocodiles l'appellent. Il y a beaucoup de crocodiles dans ce lac? Bon, bien avant, ça n'existait pas. Les crocodiles étaient du côté de la rivière Simlik. Mais à présent, il y a présence maintenant des crocodiles ici. Et depuis qu'on a remarqué la présence des crocodiles, il y a déjà 4 cas
des personnes happées par des crocodiles sur les lacs. C'est un avertissement de votre côté? Oui, un avertissement. Pas seulement de notre côté, sachant bien que nous sommes dans une aire protégée, dans le parc. Hein? Toutes ces espèces-là sont des espèces à protéger. Maintenant, c'est ce que nous faisons appel à tous ces pêcheurs clandestins-là. Hein? Parce que ce genre des animaux féroces deviennent aussi comme des éléments de renforcement, de protection du lac et particulièrement de Frayères. Parce que peut-être par crainte des animaux, d'autres personnes peuvent ne pas faire encore la pratique sur les Frayères. Vous allez me regarder, moi. Ouais. Alors, monsieur Josué, vous venez de participer à cette cérémonie, vous en tant que fils de ce coin. Qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ça? Donc, ce qui est là, je viens de participer à la cérémonie de la destruction de matériel prohibé et autres entiers de pêche prohibés. Moi, personnellement, je suis content. Donc, nous félicitons fort. Le commandant base Amis Wanyata et son amiral pour l'appui qu'il est en train de faire à la force navale ici en fait d'éradiquer la pêche illicite. Comme vous le savez, la pêche est la seule activité génératrice pour la survie de la population de Vichumbi. Alors vous voyez aujourd'hui il y a surpêche, ce qui pousse en ce que il y a baisse de la production, donc le rendement abaissé, ce qui pousse même les gens de quitter le Congo pour poursuivre les poissons en Ouganda. Mais avec de telles initiatives, donc, nous allons encore diminuer la surpêche, donc le nombre de pirogues prohibées va diminuer. Et là, nous allons nous retrouver devant un équilibre entre l'effort de pêche et le stock halieutique. Et là, quand vous voyez de 11 piroguettes en train d'être incinérées ici, une scène de plage et beaucoup d'autres filets prohibés monofilaments, vraiment, nous sommes très contents de ça, puisque c'est lutter contre l'ennemi de notre vie qui est la pêche illicite. Donc, le village de Vichumbi a comme pilier la pêche durable. Et avec la pêche durable, nous allons continuer à vivre ici internellement. C'est pourquoi dans les affaires aussi du festival Mazingira, nous accueillons avec une main forte ce que les marins, accompagnés de services de l'environnement et de pêche et élevage ont fait pour essayer de réduire totalement la pêche illicite pour promouvoir la protection des zones de frayères où se reproduisent les poissons. Moi, c'est ingénieur Kassere Kambakula Pascal. Je suis coordonnateur du service pêche au lac Édouard et officier de pêche de Vichumbi. Des piroguettes, mais aussi des filets incendiés ici d'une manière pédagogique. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, en fait, c'est une activité de routine que nous faisons presque chaque jour. Lorsque nous organisons des patrouilles mixtes, force navale et service en charge de pêche, tous les résultats des objets prohibés que nous arrêtons, que nous saisissons au niveau du lac Édouard, et souvent nous venons ici pour la destruction, pour une manière pour nous de décourager la pêche illicite, parce que nous, notre service a comme mission de lutter contre la pêche illicite sous toutes ses formes. Et quelle est votre mission principale dans le cadre de la lutte contre la destruction de l'environnement? En fait, comme je vous ai dit tantôt, notre mission et de lutter contre la pêche illicite sous toutes ses formes. Nous sommes des ministères de la pêche et élevage. Et qu'est-ce qui favoriserait la pêche illicite sur les lacs Édouard? Bon, ce qui favoriserait la pêche illicite, d'abord, c'est non-respect de la loi, mais aussi, il y a quelque part l'impunité. Parce que souvent, comme a dit le colonel, souvent nous arrêtons des pêcheurs clandestins, dès qu'ils arrivent au niveau du parquet, ou au niveau des cours et tribunaux, ils sont souvent relâchés. Parfois, on dit faute de preuves, et parfois, on ne sait pas comment la machine marche au niveau de là. Mais sinon, on devrait appliquer la loi qui est
disons, il devrait subir la peine, disons, d'1 an à 3 ans de prison. À cette période où